what is it that you do? My life was great till you added colors. Like the moon needs the sun, we don't care about the others. You set my world. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est dimanche aujourd'hui. Alors j'ai pas vlogué hier parce qu'on a changé la porte. On est le dimanche 8, il est midi passé. Parce qu'en fait il vient de finir de la poser. L'extérieur il est nickel. On va devoir redonner un petit coup sur la façade parce que bah voilà, il y a des petits endroits. Mais l'intérieur, on va dire que ça s'est pas passé comme on l'aurait voulu. Donc Greg va devoir remonter ses manches sa dernière semaine de vacances et pour pouvoir refaire le sas d'entrée. Voilà. Alors c'est pas... Ouais, c'est pas dramatique, c'est du placo quoi en fait. Il va devoir changer le placo et puis c'est tout. En fait, quand on démonte, eh ben, on a toujours des surprises. Mais ici, c'est l'habitude. Mais voilà, elle est posée, c'est nickel chrome et tout, il a super bien bossé. On est content. Voilà. Après, c'est juste des petits trucs d'à côté quoi en fait. En fait, ils ont dû toucher au plafond parce que j'ai fait rajouter une... On avait une fenêtre en fait au-dessus de la porte. Et du coup, on a rajouté une fenêtre et la fenêtre ne passait pas à cause du placo, du plafond quoi en fait. Donc, ils ont dû... enlever le plafond, enfin une partie du plafond. Sur le côté, au niveau de la porte, il y a des gros ouvertures. En fait, la porte était plus large par rapport à l'ancienne. Au niveau des mesures, ça passait, mais c'est au niveau des... Vous voyez les trucs là pour ouvrir et fermer, et ben ça passait pas. Donc du coup, ils vont devoir, enfin Greg va devoir bidouiller un petit peu pour pouvoir... faire quelque chose quoi en fait. Et au niveau, on a une armoire où on mettait notre compteur électrique qu'ils ont dû aussi démonter aussi. Alors c'était fait en placo, c'était un cache pour pouvoir justement bien mettre la porte. Donc du coup ça, Greg va devoir le faire aussi. Mais voilà, je vais essayer de vous montrer. Hop, voilà, c'est posé du coup. Alors vous voyez ici, ils ont dû démolir ici pour pouvoir poser la porte, et ils ont dû démolir un petit peu aussi pour pouvoir poser la porte. Et au niveau du plafond, ils ont dû couper un tout petit peu. Bon, il n'y a pas énorme, ils n'ont pas abîmé le parquet et tout, donc là c'est juste la plinthe qu'il faudra remettre. Mais voilà, c'est juste sur les côtés qu'il va falloir, et puis là du coup il va falloir le diminuer parce que la porte, en fait c'est pas la porte qui est plus large, mais c'est le bâti qui était plus large que l'ancienne porte. Et du coup voilà, et comme on l'a fait pas en réno, mais vraiment une notre nouvelle installation, parce qu'elle était vraiment pas très très bien posée, et que, parce qu'on peut faire aussi, enfin je sais pas, il nous a expliqué en réno, mais voilà, là elle était vraiment, là il a bien tout refait, bien l'étanchéité et tout, voilà, c'est cool. Par contre là il drache et ils viennent de faire un béton dehors. On a une sale journée aujourd'hui. En plus, il caille. Il fait froid. Et hier, c'est la même chose. Il a fait beau. Et puis, d'un seul coup, il s'est mis à pleuvoir. Et ils étaient en train de changer la porte, bien sûr. Donc, du coup, ils se sont pris la berce. Mais bon, heureusement que j'ai pas filmé hier. Parce que ça aurait été compliqué. Vous aurez eu beaucoup de mots de petits noms d'oiseaux. Qui... parce qu'à chaque fois qu'il démontait quelque chose, à chaque fois qu'il voulait avancer, il y avait quelque chose qui, voilà, qui coinçait. Et du coup, ils en ont bien galéré, mais ils ont réussi. Voilà, c'est le côté positif. Après, les petits dégâts qui sont, enfin, entre guillemets, les petits trucs qui sont à côté, ça se répare. Voilà, c'est pas grave. Hein. Puis là, voilà, c'est fait, on est tranquille. Et puis ça change tout, même la façade et tout, ça change tout, on est bien content. Je vais aller voir parce que comme il pleut, Greg est en train de fumer du lard et une jambette. Hier il a fait les macros fumés, alors on va les goûter, on en refera sûrement, et quand on en refera je vous partagerai la recette. Il les a très très bien réussi, franchement. Les filets, je vous les montrerai, on va sûrement en manger ce soir, mais oui, ils ont l'air d'être parfaits. Voilà. On va goûter au niveau de la saumure, parce que ce qu'on espère c'est qu'ils sont pas trop salés et tout, comme c'est une pro complet. Mais oui, ils ont l'air de... Et les fumoirs va très 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 bien. Mon père est venu ce matin et je pense qu'il va se laisser tenter. Alors mon père en avait un, enfin le fumoir en galva que vous avez vu à un moment, quand on a fait les truites dedans. C'est en fait, c'est l'ancien fumoir de mes parents. Et justement, il ne s'en servait plus, justement, à cause de cette histoire de thermostat. Et là, je pense qu'il est très très tenté par celui-là. On va donner envie à tout le monde. Mais franchement, ouais, il va bien. Il va bien. Donc là, oui, il a fait
je vous montrerai. Et puis au fur et à mesure que les recettes seront au point, je vous les partagerai au cas où si ça peut intéresser quelques-unes d'entre vous. Voilà. Et puis de toute façon, comme moi, je vais faire des fiches recettes pour nous, pour les garder en trace en fait. Et comme ça, je les mets dans mon classeur, je vais faire une partie fumoir. Et comme ça, quand on voudra en refaire et qu'on a des recettes testées et approuvées, ben, on saura quelles sont là, quelles sont tous. Parce que souvent, comme là, Greg a pris un petit... Parce qu'en fait, on a acheté un livre de recettes, je vous l'avais montré, hein, sur les recettes de fumaison. Et comme là, sur les macros, eux, c'était un fumoir à sec avec directement en fait du sel qu'ils mettaient dessus. Nous, on a fait une saumure et on a le fumage quand il disait 3 heures. Et on trouvait que c'était encore très... comme cru en fait, enfin je sais pas, c'était pas assez fumé à notre goût quoi en fait. Donc du coup on les a on a rajouté du fumage et franchement là ils ont l'air d'être bien. Donc il a fait un petit post-it en attendant pour avoir sa recette avec voilà, avec les petits changements qu'il a fait dessus. Et puis ben, on verra. Et puis comme je vous dis après ben, au fur et à mesure, parce que ces petits post-its on va les perdre autrement, ils vont se décoller, ils vont partir. Donc je ferai les fiches recettes et ça je les mettrai dans mon classeur. Bon allez, bon ça s'est arrêté de pleuvoir. Je vais aller faire mon repassage. Va falloir que je reprenne ma maison aussi du coup. Bon Greg du coup il y a des travaux là à faire donc. Mais bon logiquement ça devrait aller, il va fermer la porte, ça devrait aller. Je vais reprendre ma maison parce qu'il y a des petits gravats et tout partout. Puis un peu de poussière mais ça va encore. Hein? Je vais aller faire mon repassage. Et ranger mon linge. Puis après on va manger. Greg est parti chercher des douilles pour Kim. Il est parti jusqu'à Brico Dépôt. Parce qu'ils ont retiré leur lustre, les anciens locataires. Mais ils n'ont pas mis de... Enfin, ils n'ont pas mis de douilles de travaux là. Donc du coup, ils n'ont pas de lumière. Et en attendant qu'ils achètent des lustres, Greg leur a dit de mettre ça. En fonction, et puis au fur et à mesure, ils achèteront des nouveaux lustres pour toutes les pièces. Au moins, ils ont de la lumière, quoi, en fait. Parce que là, ça s'est bien passé hier. Elle m'a envoyé une photo ce matin de Loulou qui avait fait dodo dans sa chambre, première nuit. Et ça s'est super bien passé. Il a bien dormi. Donc, tant mieux. Bon, j'ai eu des petites mouches à fruits. Ça m'énerve. Je comprends pas parce que j'ai pas de fruits moisis ou quoi que ce soit. J'ai l'impression que c'est les bananes, en fait, qui les attirent. Mais alors, elles sont bien mûres, mais voilà. Alors du coup j'ai vu une recette, je vais tester avec un pot, je vais vous montrer. Alors la recette, ils prennent un bocal, ils remplissent à peu près un tiers avec de l'eau. Hop, ils mettent une goutte de savon vaisselle, voilà, et du vinaigre de cidre, à peu près une à deux cuillères à soupe à peu près. Petit cello, alors je sais pas si ça fonctionne, hein. Je vous dirai si ça fonctionne ou pas. En fait c'est autour des poubelles et tout, je me suis aperçue, pourtant elles sont sorties régulièrement et tout, hein, mais voilà, ça fait les petites mouches là aux fruits, de fruits autour, de, voilà, autour des bananes, et j'ai vu tout à l'heure autour de ma poubelle, donc ça m'énerve. Mais je trouve que cette année il y a beaucoup de mouches. Hop, alors bien sûr mon cello ne colle pas bien parce que c'est le fond du rouleau, donc je vais mettre un petit élastique et puis après on fait quelques petits trous dans l'opercule. Alors les petits trous assez gros pour que les petites mouches peuvent passer à l'intérieur, mais pas trop gros pour qu'ils ne puissent pas ressortir. Donc on va venir. Et en fait, du coup, ben, c'est un peu barbare hein, quand même le truc, parce que les petites mouches, elles vont rentrer, elles vont être attirées, elles vont rentrer, elles vont nager, s'épuiser, et elles vont mourir noyées, les pauvres bêtes, mais bon. Hein. C'est pas très agréable, et en fait, ça fait pourrir plus vite les fruits, j'ai déjà remarqué. Donc, mais oui, cette année, je trouve qu'on a quand même pas mal de mouches, je sais pas chez vous, mais chez moi... je comprends pas, parce que, voilà, mais... Pourtant il fait pas super chaud, alors est-ce que c'est l'humidité qui fait que, mais... Bref, voilà, je vais poser ça à côté de mon panier à fruits. Bon, Greg est rentré, il a trouvé du coup les douilles pour Kim. On va aller lui donner, enfin il va aller les monter cet après-midi.
vers 4h parce que hier soir du coup ils étaient dans le noir, elle disait ils ont dû manger dans le noir. On va aussi aller lui porter le tankardville aussi parce que si elle fait des bâtés, elle a rien pour pouvoir le pendre parce qu'ils n'ont pas encore récupéré leur sèche-linge, donc je vais lui prêter le mien en attendant. Qu'est-ce qu'on a? En fait ils ont un souci avec leur sèche-linge au niveau de la courroie, ils doivent changer leur courroie ou je sais pas quoi. Enfin c'est un sèche-linge qu'ils ont eu à quelqu'un et il faut changer la courroie. Et puis... qu'est-ce qu'on doit lui ramener? Je vais lui ramener la chaise aussi parce qu'on lui a pas ramené. J'ai retrouvé l'assiette du petit aussi avec sa ventouse. Je vais aller lui ramener aussi. Et je pense que c'est son gobelet aussi que je vais lui... parce que ça aussi. On cherchait après lors du déménagement et en fait il avait fait tomber, il était glissé en dessous d'un meuble. Donc je l'ai retrouvé, je vais lui donner aussi. Voilà, puis tous ces petits biberons et tout. Un petit peu à la fois, je vide un truc et je me dis ah tiens il y a ça. Comme là ce matin, ben, j'ai encore... plier des habits de bébé un petit peu à la fois, il y en aura de moins en moins, mais voilà. Hein? Mais bon, l'avantage, c'est comme ils sont pas très loin, ben voilà, on y va. Tu vas venir avec nous, Stacy? On va chez Kim cet après-midi. Voir Loulou, tu veux? Bon, j'ai mon père qui m'a ramené plein de légumes de son potager. Salade, concombre, courgettes, des betteraves, donc je vais tout préparer aussi. Je vais les mettre au congélateur, faut encore que je fasse. En fait hier j'ai pas filmé mais j'ai pas pu bosser, donc du coup j'ai pris énormément de retard. Il faut que je monte la vidéo du coup d'avant-hier parce que je l'ai pas fait, il faut que je réponde à vos commentaires. Je dois en faire encore, j'ai fait mon menu mais il faut que je tape, il faut que je fasse ma fiche recette, enfin ma liste, ma fiche pour que je mette sur le blog et que je vous partage et que j'affiche dans ma cuisine. Et il faut aussi que je fasse ma liste de courses aussi. Je pense que... alors je sais pas si je fais un drive ou si... parce qu'à mon avis ça va être des petites courses cette semaine. Par rapport à d'habitude ça va me faire bizarre. Et puis en fait tout ce qui est produit et tout, je fais un drive au champ. Surtout, enfin on allait au champ, c'était surtout parce que depuis qu'il y avait le petit, il y avait... ça m'embête en fait. Enfin, moi j'aime pas faire 40 000 magasins. Mais il y a des produits, on faisait nos courses à Auchan parce qu'il y avait des produits pour le petit qu'on trouvait pas à Lidl ou ailleurs. Alors c'est pour ça qu'on allait au champ pour éviter de faire 40. Ben, je faisais quand même 3 magasins, hein, mais bon. Donc du coup je suis en train de me demander là si je vais à Auchan ou si je vais faire mes courses ailleurs. Ou est-ce que je fais un petit drive et que je fais les courses ailleurs? Enfin je vais voir. Bon allez, là on va faire à manger. Angel est avec sa chérie, elle est chez sa chérie. Elles en vont en vacances mercredi. Donc ils profitent un max de ces derniers jours. Ça en va 15 jours. C'est dur quand on est amoureux et que... je me souviens de nos débuts, c'était compliqué quand Greg partait en vacances. Une semaine, avec... enfin 15 jours avec ses parents. En fait, mais tu l'as pas fait beaucoup, hein, parce que tu restais toi après. Chez tes parents. Oui, tu travaillais. Ouais. Bah non, t'as... oui, t'étais plus vieux, t'avais 18 ans. On avait 18 ans, Angel, il les a pas encore. Donc oui, donc comme ça, on va en vacances, voilà. Ils vont être 15 jours sans se voir, donc ils profitent là. Donc du coup, on est que 3. Donc ça va faire bizarre, on passe petite quantité. Allez, frites surgelées. Tu veux me donner le paquet, chérie? Comme ça, je le lance. Et puis, ben, des steaks, tu peux en sortir 3. On va fêter la nouvelle porte. Alors là c'est l'eau, moi c'est pas de l'eau que je veux, c'est des glaçons. Et puis on va goûter du coup les macros de... macros fumés de Greg. Ouh, c'est noyé le glaçon. C'est tombé d'un coup. Eh, ça m'a fait peur. Ça fait bizarre, la table est vide. Je vous montre du coup ces macros. Parce que maintenant il y a plein de place. Je vous montre ces macros et comme je vous ai dit, si on a réussi, Greg va sûrement en refaire très vite. Je vous filerai la recette pour celles que ça intéresse et nous on fera notre fiche recette du coup. Alors là c'est un macro nature et là on a juste fait une petite marinade avec, enfin pas une marinade mais on est venu mettre un peu de miel mais alors léger, une petite pointe juste qu'on a étalé pour coller en fait le... alors, l'assaisonnement, en fait c'est avec de la coriandre, il y a du fenouil, l'échalote et puis des petites herbes. Vous voyez le mélange à salade de chez Lidl, on est venu le coller dessus. Vous voyez la texture, elle est top en fait. Vraiment la texture du saumon, du maquereau fumé quoi en fait. Voilà. Sans avoir un maquereau cuit. Vous voyez? Franchement ouais. On va goûter ça, on vous dit. On a fini de manger. Comme tous les dimanches, steak frites salade.
Et là, du coup, on va se reposer un petit peu. Enfin, Greg va se reposer un petit peu. Moi, il faut que j'aille bosser. Pendant que... Puis après, on va aller chez Kim. Pas longtemps, parce qu'il y a déjà 3 heures passées. J'ai commencé à monter le vlog. J'ai commencé à répondre à vos commentaires. Mais comme j'ai pas répondu hier et avant-hier, ça fait 2 jours de retard. Donc, j'ai pas mal de retard sur dessus. Mais bon, là, il est l'heure. Du coup, je finirai tout à l'heure. On va aller porter ce qu'il faut à Kim. Si j'arrive à débloquer. Allez, viens ici. Je vous pose 2 minutes. Ça ira mieux. On va y aller. On a tout préparé, ce qu'il fallait prendre. Je sais même pas comment on va faire. On va devoir faire des allers-retours, je pense. Il y a la poussette, la chaise haute, le... En fait, c'est pas que c'est lourd, c'est que c'est encombrant. Donc du coup, on va pas pouvoir tout prendre sur notre dos. Voilà. Faudra un système de poulie. On va mettre un panier avec une poulie. Enfin, quoi que là, le truc qui rentre, la chaise haute et tout, ça rentrerait pas dans un poulie. Puis il y a la poussette aussi. Elle a demandé aussi pour amener sa poussette, parce qu'elle l'avait pas prise. Donc du coup, et le siège pour mettre dans la baignoire. Siège bébé, là. Allez, on y va. On va aller voir son cookie. D'amour de mamie. Moi, je l'ai cookie de mamie. Les bons cookies pleins de chocolat. Les bons cookies pleins de chocolat. On est rentré. On a vu notre loulou. Ça va, il dormait quand on est arrivé. Il s'est bien... Il n'y avait pas que lui qui dormait. Ils dormaient tous en fait. On a dit frapper comme voilà, à la porte. Je voulais pas sonner parce que je voulais pas réveiller le petit. Et en fait, compte, tout le monde dormait. Il faisait la sieste. Ouais, il dormait bien dans son petit lit, dans sa chambre. Ça va, ils disent que ça va. Donc tant mieux, il n'est pas trop chamboulé. On est passé aussi à Inter du coup. Alors Greg a mis les douilles et il a commencé à recoller aussi un truc aussi. Mais là il va falloir qu'il aille pour fixer leur télé, ou il faut que tu files ta perceuse à Quentin, ouais. C'est ça parce qu'en fait c'est une télé qu'ils vont fixer au mur. C'est une grande télé. Donc un petit peu à la fois, ils vont s'installer un petit peu à la fois. C'est ce que je leur ai dit, hein. Parce que comme là elle a acheté de la vaisselle et elle dit oh bah maintenant il va falloir que, parce que dans sa cuisine il faut qu'elle achète des armoires, et elle disait faut des armoires pour les ranger. J'ai bah un petit peu à la fois, hein. Ouais, non, on en rachètera. Ah bah c'est celui qu'elle nous avait prêté, ouais. Filé celui-là. Ah toi, j'ai bien fait de pas mettre le petit parce que quasiment t'as bien fait de pas mettre le whisky. Ah oui, c'est du copeau. En fait, les copeaux de bois, il y a différentes saveurs et on en a un au whisky. Ça n'a rien à voir avec le whisky, la bouteille. Et là, en fait, il est en train de refaire le chargement au niveau du fumoir avec son lard. Et sachant bête, il commence à prendre une belle couleur là. De toute façon, tu vas le sortir là pour pouvoir réactiver. Je vais vous montrer. Là, il n'y a plus le feu. Ah là, il y a une belle couleur fumée là. Hein ? Là, c'est la... Mais bon, là, on fait des toutes petites quantités parce que c'est le début et qu'on veut d'abord bien le... Mais après, on fera des plus grosses quantités. Et on va en acheter un gros morceau de lard. Et puis, je le mettrai sous vide pour le conserver. Mais ouais, là, je sais, parce que je peux pas vous envoyer l'odeur. Hein, mais je vous jure que l'odeur du fumé, trop bon. Par contre, j'ai froid aujourd'hui. Caille, je trouve. Bah, il faut que l'eau elle soit bien chaude, alors chérie. Mais peut-être que ça me réchaufferait en même temps. Oh, peut-être que ça me réchaufferait. Alors, on est passé aussi à Inter du coup. Pour ce soir, j'avais prévu de faire des tartinades, un mix de tartinades. Donc du coup, j'ai repris un petit peu. Alors les tartinades, c'est des salades comme ça en fait. Donc là, j'ai pris la marque Delio. C'est belge. Hein. Au crabe. J'ai pris poulet miel moutarde. C'est mort. Pourquoi c'est mort? Rien, j'ai coupé quoi pour enlever la... Ah, et t'as oublié de remettre en route. Je vais de le remettre en route. Viande. Tout c'est chiant que je peux le faire. Bah tant pis, demain chérie. Demain il fera peut-être meilleur. Et j'ai pris cocktail de crevettes, j'avais envie de crevettes. Greg s'est repris un petit peu de fromage aussi parce qu'il n'y en avait plus. Il s'est pris aussi de la rillette. Sa fille, elle avait tout mangé. Donc c'est des fromages belges, hein, donc ça va pas vous dire grand chose, mais là je prononcerai même pas parce que c'est du Wijndal. Je
pense que c'est ça. Du Orval. Et puis alors c'est président de milieu rouge. Voilà. Et j'ai racheté mon sucre. Ça c'est les sucres, le sucre avec les gaufres de Liège là qu'on avait fait. C'est du sucre perlé, c'est des gros morceaux de sucre. Nous on le trouve facilement en Belgique. Mais c'est vrai qu'en France, le seul sucre perlé qu'on trouve, c'est la marque Dossi là. Et c'est vraiment des tout petits grains. Et même limite dans les chouquettes, je préfère mettre celui-là. Parce que je trouve que dans les chouquettes où il faut vraiment le saupoudrer sur le dessus. Parce qu'ils font aussi. Bon allez. Faut que j'aille finir de répondre à vos commentaires. Comme j'ai pas de... Ah oui, j'ai pris ça aussi. Des germes. Je sais pas si vous connaissez, c'est des pousses. Alors, il y a poireaux, radis et luzerne. Et en fait, c'est des pousses. C'est un goût. Alors, c'est plein de vitamines, c'est plein de bienfaits et tout. En fait, c'est des tout petits germes. Vous pouvez les faire vous-même. Mais moi, quand je les fais à la maison, ça a tendance... Ça fait pas le même effet qu'en fait. Je trouve que, voilà, gustativement, il y a des petites feuilles qui se mettent et tout. Et c'est moins... Je pense que parce qu'il faudrait les laisser dans le noir, peut-être au frigo ou quoi. Donc, et puis comme c'est rare qu'on en mange... Enfin voilà, ça nous arrive de temps en temps, hein, mais c'est rare qu'on en mange, donc du coup je vois pas l'intérêt de le faire à la maison. Ce qu'on avait acheté, et puis les graines c'est dur à trouver, il fallait en magasin bio, etc. Parce qu'il faut des graines spéciales et tout. Donc du coup moi je préfère les acheter, puis je paye pas très cher, hein, je paye 1€, 2€ pour tout ça. Et puis ça a vraiment le goût, comme là si vous prenez... Bah alors chérie, c'est la fumée ? Alors ceux-là ils ont vraiment le goût de poireau. Quand vous les mangez c'est un goût de poireau. Ceux-là vous avez l'impression de manger un radis. Par contre la luzerne c'est beaucoup plus doux. Ça n'a pas ce goût fort en bouche. Parce que là franchement c'est, enfin, le radis et le truc vous avez vraiment le goût, hein. Le poireau c'est limite comme si vous mangez un petit peu d'ail quoi en fait. Mais ouais. Alors sur des petits toasts ou quoi c'est... Et puis ça fait sympa en déco même dans une salade ou quoi. Mais, et puis c'est bon, hein. Voilà, je vais ranger ça, je vais mettre mon sucre perlé dans sa petite boîte et puis bah je vais aller répondre à vos commentaires. Du coup, je suppose que toi tu vas t'installer dans la télé, chérie. Ah ouais. Fatiguée ce soir. Ah ouais, je suis mort. Ouais. Allez, go. Envie de sortir en plus et... Juste pour vous dire, j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5 cadavres de mouches à fruits. Les petits moucherons. Ouais, les petits moucherons là. Ah bah non, ça marche pas pour les grosses, c'est vraiment pour les petits moucherons. Mais oui, ça fonctionne. Donc c'est cool parce que du coup quand on a des petits je sais pas, il y a des fruits en fait qui attirent ces petits moucherons à chaque fois. Et il y a deux mois, bah, la dernière fois j'avais acheté des pêches et ben j'ai pu en jeter quelques-unes parce qu'ils avaient été abîmés justement par ces petits moucherons là qui viennent les piquer. Faut prendre le ciseau dans la salier, chérie. Bon allez, je vais aller travailler. J'étais dans mon lit en train de répondre à vos commentaires et puis mettre du coup la vidéo en ligne. Et du coup j'avais chaud, j'étais bien et là j'ai froid. Mais froid, j'ai des frissons, hein, tellement que... Non. Allez, je croirais vraiment en automne là, hein. Franchement. Hein, pareil, ça va se remettre après le 15, logiquement. Souvent ça se dégrade après le 15, là logiquement ça devrait se remettre. Ouais, je vais préparer mes petites crudités. Alors, des radis, tomates, et j'avais acheté aussi des mini concombres. Alors les radis, je sais qu'il y a que moi qui va les manger. Tu as couvert. Greg qui joue. Tu t'énerves. Tu t'énerves ce jeu. Qu'est-ce qu'il y a? Tu perds alors que tu t'énerves. Angel. Est-ce que je coupe les mini concombres? C'est bien Lidl, maintenant ils en font en France, alors qu'avant ils en faisaient pas, j'en trouvais qu'en Belgique. Est-ce que je les coupe en deux? Non. Non? Vous les allez manger entiers comme ça? Ouais. Oh là là, t'es fatigué? Ouais. Ah, j'ai froid. Bah, ça y est, petit plateau du dimanche fait. On reprend les vieilles habitudes. On va manger devant la télé. On ne pouvait plus le faire avec Kim et Quentin. C'est pas qu'on voulait pas le faire. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y avait pas assez de place sur le canapé pour tout le monde. Et donc du coup, et puis voilà, Greg disait ah mais on regarde pas la télé. On regarde la télé ou on regarde pas la télé? Parce que tout le monde parlait. Il y avait trop de bruit. Donc là voilà, on a retrouvé nos petites habitudes. Donc plateau de crudité. Avec du coup bah, les tartinades. Les petites graines germées. Baguettes. Et puis Greg va nous mettre un film. Je sais pas ce qu'il va nous mettre. Je vais sur Netflix.
Je vais mettre la série. Tu vas mettre la série ? Ah oui, il y a la série Outer Banks. Outer Banks. Il y a la deuxième saison. Il paraît qu'elle est top, encore mieux que la première. On avait pas. En fait, on a voulu la commencer un soir, mais Greg s'est endormi. Donc du coup, je l'ai stoppé. Et je me suis dit qu'on allait le regarder ensemble et j'ai regardé un épisode de New Amsterdam parce que Greg a complètement décroché. Lui, moi, j'ai continué à regarder le soir. À chaque fois, je regarde un épisode, mais Greg dort. Donc du coup, il a complètement décroché par rapport à moi. Moi, je suis un petit peu plus loin. Je suis à la saison 2 maintenant. Oh là là, t'es fatigué. Ouais. Ouais. Allez, on va manger. Ouais. C'est comme la série À l'ombre des Magnolias. On a regardé la première saison et logiquement la deuxième doit arriver et on attend. J'ai l'impression qu'il n'y en aura pas. Mais bon, c'était con parce que, enfin c'est bête parce qu'elle était vraiment bien. Donc là on va voir celle-là. Tu te souviens de cette série-là ? Ouais. Et toi Stécie, tu t'en souviens ? Ah ouais, il y en a qui ont regardé. Ouais, ils sont partis, ils étaient dans la mer et ils ont fui parce qu'ils ont été accusés de meurtre alors que c'était son. Voilà, mais c'est bon alors. On a fini de manger. Greg a retiré du coup son lard, sa jambette, et il avait remis un petit peu les saucisses fumées aussi parce qu'il trouvait qu'ils n'étaient pas assez fumés. Donc sur la fin, en fait, il les a remis. Et comme là, il m'a dit, il y a de quoi de faire une soupe au lard. Voilà ce que ça donne. Saucisses fumées, la jambette qui est fumée et le lard. De quoi. On va les envelopper, les laisser un petit peu comme ça parce qu'il faut mieux les laisser au moins 12 heures pour que... Ça se fixe bien à l'intérieur des chairs. Et du coup, il y a de quoi faire des lardons fumés maison. Puis il va le manger aussi comme ça aussi. Parce que quand je lui ai dit ça, il m'a dit « Ouais, mais t'oublie pas de m'en laisser, hein !» Bon, allez. J'ai froid ce soir, c'est horrible. On va aller prendre une bonne douche chaude et aller se coucher. Je pense que c'est la fatigue, tout ça. Hop, allez go. Donc je vais vous faire des bisous. Je vais vous dire bonne nuit. Je pense même que je vais pas aller prendre les mains les soirs. J'ai trop froid. C'est Greg qui va y aller tout seul avec un des enfants, je pense. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis du coup à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. I lose my breath whenever I see you.